Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur ModéCube. On j'en retrouve aujourd'hui dans la base où on va, qu'on va modifier un peu, on va aller déplacer la, la ferme à Cobblestone qu'on a faite sur la gauche là, pour pouvoir la mettre dans le trou qui est ici. Ah, GG Punk qui s'est vient de se faire bouffer par un Crazy. L'idée c'est de déplacer tout ça et de le mettre euh, plutôt par là. Donc là-dedans il y aura une grosse prod de Cobblestone. Et, euh... et après va mettre un tapis roulant, on fera une structure avec un moulin. Je pense que j'ai utilisé un moulin plutôt que des roues euh... à eau, cette fois-ci. Ceci dit. Est-ce que je préfère ouais une cascade ici Ça va, ça va pas le faire parce qu'après ça fera remplir le, le trou d'eau. Enfin, dans la logique. On va essayer de faire un peu RP. Donc on va plutôt prendre un petit moulin avant, je pense. Je vois combien comment ça se, comment ça se fait déjà et ensuite combien il faut de de machins. Oh là, je suis en caps. Pour réussir à faire de l'énergie correctement. Alors que Crate c'est... Ok ça va... Bon ça donne de la laine, ça c'est chiant. Parce que la laine on n'est pas des masses. Ça en fait que deux en plus. Par contre, apparemment on peut switcher les deux. Ouais mais on est obligé de passer par là, hein. on est d'accord. Hein. Ok. Donc on est obligé d'avoir de la laine dans tous les cas. Ça on le fera dans un bâtiment qui sera là. J'ai mis un truc là, c'est pour l'instant... Euh... a qui se font, dé... <laughs> Ils se font dégommer les gens ce soir. On mettra le... le... Le bâtiment qui fera le gravier de ça, on le mettra ici. Ça, ça va changer. Pour l'instant, j'ai mis juste ça pour, euh, pour tester, mais. Mais c'est tout. Alors, j'avais dit donc faire des. C'est comment ça s'appelle Des sails Ouais, sails. Euh. De... Da... Ah, Peut-être avant de commencer ça, on va commencer par mettre en place la lave et l'eau. Je crois qu'on peut faire des trucs avec les escaliers euh, waterloggés. Alors, est-ce que c'est trop long ou pas Ça, c'est ma... un peu l'interrogation que j'ai. À mon avis, c'est trop long. aligner hein. soit c'est pas aligné ça c'est vraiment pile un, un bloc trop long on va tester là comme ça pour voir ok ça c'est la taille max ah. j'ai un bloc près ok bah, apparemment la taille max c'est ça je sais pas mais euh, on est à un bloc près euh, au pire en bas j'ai pas besoin de descendre aussi bas Donc, ce que je vais faire c'est que je vais plutôt le faire à partir de là au final, oui, il y, y, y a ça qui fait... Euh... Attends. Non, c'est ça, on est vraiment à un bloc près. Hein. Je vais faire venir euh, ici, je pense. Voilà, comme ça, ça sera bon. Ok, donc ça, c'est pour faire monter la, la pierre. Euh, ensuite, il faut qu'on mette en place le, euh, le générateur. Alors, comment on va le mettre Non, oui. Ça, ça passe ou pas, ça Ça monte Je suis pas sûr. Est-ce que je peux pas tester comme ça Ok. Euh, ensuite, on verra si ça marche. Ça marche pas, on mettra autrement. C'est pas un souci. Il faut que je vois où est-ce que je vais mettre les drills avant. D'ailleurs, en faire des drills pour les, les positionner contre le tapis. Tapis que je vais agrandir aussi. D'ailleurs, il est pas assez grand. On va aller jusqu'à là pour euh, pour le moment. On verra après. Les dérives, faut que je les mette à ce niveau-là. Alors, voyons voir ça. Donc là, le but, c'est vraiment de faire une plus grosse production de, de pierres pour être tranquille derrière. Alors, on va faire ça, il me faut du zinc. Il pas mal ici. On va ouais, attendre. Est-ce que j'ai pas déjà... Ah non, j'ai pas ça encore. Et ça ça permet de faire beaucoup moins de... Enfin, ça prend moins de ressources pour faire un seul truc. Et ça bon, dans tous les cas faut que j'en fasse donc je vais en faire. L'idée c'est que ça euh, là. On va les mettre comme ça et puis on pourra mettre plus derrière, c'est pas un souci. On va mettre je sais combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais c'est ça, ok. On les mettra les 8. Même une neuvième ici ça marchera si on met des escaliers comme ça qu'on qu les waterlog on va le mettre comme ça pour le pour la fin de toute il n'y en aura que 4 donc on va en mettre que 4 euh, mais si je mets de l'eau dedans est ce que ça bouge ouais forcément ça va bouger alors comment ils font ça Bon, bonsoir on met juste ça et ce sera bon faut une autre source. Ok, et ensuite la lave faut la mettre dessus. Faut l'enfermer comme quoi qu'il arrive, faut... ouais c'est ça, faut l'enfermer. Je sais pas qu'est-ce que, que je mettrais comme bloc décoratif. Pour l'instant je mets de la cobble pour euh, la structure, Après, on verra. Donc la lave faut la mettre là directement. Ah ça fait de la stone ouais c'est pareil hein en vrai j'ai même pas besoin de... de mettre plus de sources hein. ça le suffit ouais de chaque côté ça suffira euh... je viens de penser à un truc c'est qu'il faut que je mette les shafts ici donc le tapis roulant il que je le mette plutôt en dessous de ça en fait mais je me suis trompé là ah bon Voilà, on sent un petit tapis, mais c'est pas grave, ça montera comme ça ici. Il n'y aura pas de souci. Maintenant, euh, pensons à l'énergie. L'énergie qui vient ici. Euh, comment on peut faire pour alimenter plein de trucs en ligne comme ça Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle... Euh, un truc chaîné là. Ça là. Donc c'est juste un casing et des nuggets, ok. J'en mets 4 comme ça et ça permettra d'alimenter... En vrai, je vais peut-être en mettre directement 8. C'est vrai que j'ai pas trop montré ce que j'ai fait entre temps. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein. j'ai pas, pas joué 10 non plus. Euh, j'ai surtout passé du temps à récupérer de la pierre, etc. pour en euh, Bon, j'ai fait un petit truc comme ça pour. Euh, histoire d'avoir une sorte de petite maisonnette. Pour pas dormir sous la pluie. Et puis euh, et puis voilà. Littéralement que ça. Euh, le reste, euh, je crois que c'était déjà là. Donc maintenant, il va falloir alimenter ça justement. Et ça, il faut faire un moulin. Je vais faire un moulin plutôt que des moulins hauts, je vais faire un moulin avant. Ça sera une structure en haut et alors si je continue ça parce que l'idée c'est que ça ça va continuer encore ici bon, c'est pas grave il se mettra dans le bon sens après et maintenant il faut aller monter ça donc pour ça euh, donc les chaves seront comme ça bon je mettrai une gearbox donc là il faut qu'on mette un petit moulin en hauteur on va faire une structure pour monter déjà monter ici On va faire un petit moulin qui sera un peu en haut, je pense qu'on va, faire... va le faire par là je pense ici, côté juste ici là, en face de l'océan pour avoir... faire genre ça prend le vent, par contre faut pas oublier que la piste d'aéroport est là donc euh... <laughs> faudra pas qu'on se rende dedans, euh... après l'aéroport je peux toujours le dégager. Faudrait le décaler sur le côté, je le mettrai sûrement ici là, ça lui gênera pas, donc ouais ici ça va être pas mal. On va faire un quoi un 3x3 avec le, le... Ouais, 3 3 avec le shaft au milieu ça va être pas mal. Ça c'est pas très grand. Ouais là on va mettre comme ça. Donc l'idée ici ici il y aura le shaft comme ça. Allez on va se faire un premier étage de comme ça en support. Hop là, on continue à monter. Et à chaque fois, on y passe tout ça. Ensuite, on va faire le moulin lui-même. Est-ce que j'ai... J'aurais pas appuyé sur v de B. Est-ce que j'ai pas mes shafts là-ci euh, On fait combien bah, Je sais pas combien ça va prendre. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais mettre ici une box. Enfin, je vais peut-être monter encore une case. Enfin, une, un truc... Euh, là je mets une box, une verticale gearbox, et après je mets un shaft là, et après on build le moulin. Alors le moulin comment ça se passe déjà il y a un truc, ça là, un windmill bearing, et après je fais ça. Je sais pas ça si c'est où, je pense. Après je vais le faire avancer, il tournera devant ça donc en soit c'est pas grave. Euh, ok, il faut le mettre dans le bon sens. Euh, c'est pas bon ça, non. Là c'est bon. Et après je mets une shaft ici. Et donc là il y aura le. Ah oh, remarque. Ouais non le le ball je pourrais le mettre là en soi ce C'est vrai qu'il y a les échafaudages j'oublie aussi que ça existe. Bon évidemment le placement n'est jamais bon. Ok. Donc, euh, bon, dans les faits, si je fais juste. Euh, je mets quel, quel bloc je mets ici Qu'est-ce que j'ai là-dedans Est-ce qu'un petit indésit casing c'est pas mal Pour le milieu. Et après, je mets les trucs autour c'est ça. Hein ah, la pluie. Ah, non. Pas comme ça, non. Euh, comment on peut déplacer comme il faut oh, ça, va un, ça va être un cancer. Je vais faire des échafaudages. Hein. <laughs> on va pas s'en sortir sinon. Alors comment ça fonctionne première, première fois que j'utilise ça de ma vie, attention. Ok, comme ça ça marche. Ah par contre shifté dessus, ça fait des trucs bizarres, c'est vrai. Ok donc là ça tombe. En vrai ça va loin, hein. C'est pas comme ceux d'Industrial Craft. Euh, Est-ce que je peux faire ça maintenant? Oui, Bon, il y a quelqu'un qui passe. <laughs> c'est qui qui fait ça Bah c'est... Bah tiens. Euh, comment on va le faire Minecraft Il est où <laughs> J'ai rien pour le tirer dessus là, j'ai pas, pas un arc. Aïe 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 aïe. Heureusement qu'elle est pas copyright celle-là, merci Antonio Anton Daniel d'avoir laissé cette musique euh, libre de droit. C'est vrai qu'il faut faire gaffe avec ces trucs, alors on finit rapidement par faire des, des, des saluts, enfin des saluts, des, des signes très, très particuliers, faut faire gaffe. Hein. Oula, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. Je l'ai posé un quelque part. Hein oh, Ok. Il est parti là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait là Non mais... Tu sais que je peux creuser la stone à la main nue, hein. T'as comment fait pour monter C'est ah, vrai mais... que toi aussi t'es chez le cœur. En même temps c'est la meilleure euh, origine. Ça <laughs> y est pas mieux. Hein. Ouais, va y passer aussi, je crois. Ouais. Non mais comment ça marche ces conneries là oh, J'ai un gun qui m'a coûté de la nézorite, Et je comprends pas trop comment ça fonctionne Un gun qui... Attends Un gun qui coûte de la nézorite. Ouais, un ring de pour faire ce gun Ça là Et ça déplace juste des blocs Mais... Je... <coughs> y'a Jimmy qui essaie de dépasser quoi, la un... La ouais mais Jimmy il essaie de dépasser un... un... Comment ça s'appelle ça Un spawner Mais ça le remet en cochon Attends, mais... la, la base elle l'a Ah ça avec cette arme là Ouais. Putain mais, j'en je, ai marre de ces trucs. Comment ça fonctionne Mais c'est trop bien, les, les... Mais pourquoi il part là-bas Arrête de là-bas Je veux qu'il parte en-dessus vise, vise où tu veux qu'il aille Je veux, veux qu'il aille en-haut. Alors tu sneaks. Sneak, il a fait que droit. Ah, attends, d'abord il faut que j'avance un coup. Parce que ça c'est trop haut. Ah... Ah oui d'accord. Oui après... Ok, c'est bon, j'ai <laughs> compris. <laughs> oh, D'ailleurs je t'ai drop le gun, hein, sans faire exprès. Ah. Ah oui. Effectivement. Alors, attends, je vais pas le faire sur ça. Non, pas comme ça. Non, mais... Sûr. On va y arriver un jour. Voilà. Alors, attends. Euh, je descends en bas. Alors, comment ça marche Alt-Shift. On reclique droit sur un bloc, ça le lève. Puis ça le redescend. C'est un peu normal un portal gun, mais c'est mal fait. Oui. Quoi. Je sais pas si c'est le serveur qui lag, like, mais je trouve ça ultra mal fait. Ah oui, parce que le serveur il est au Canada. Du coup, tu vas avoir des problèmes. Moi j'y arrive très bien, moi. Mais c'est pareil, quand, quand ah j'étais bon, sur FTP, euh, le portage gun ça lagait comme pas possible pour moi parce que j'ai de la latence. Ah, j'ai cassé le. Oh, mais j'ai récupéré un bloc euh, stone. Et pourquoi t'es au Canada, toi Oui. Bah oui. Ah. Ah, j'arrive à, à miner la stone comme ça. Ah, tu la mets entre deux blocs et. Bah, je sais pas, je la euh, mets. Jamais... Des fois, ça, ça fait un truc. Ouais, mais du coup, pour moi, visuellement, c'est un merdier sombre. Ouais, bah, j'imagine. Ouais. Et pour moi, visuellement, ils sont encore là, les blocs. Ah, mais ouais. Quand je les casse, ça droppe rien. Ah, ouais, c'est les blocs fantômes. Ah, ouais, euh, J'ai dropé le truc et, bah, il... je vais pas en servir beaucoup, du coup, de ça. Bah, avec la latence, ouais, c'est un peu compliqué. Si seulement ça pouvait garder le, ah, le, bon. le machin là, le le spawner. Euh... Ah, ça serait trop. T'imagines on peut Correct. passer spawners avec ça Là, faut faire des trains. Bah, on peut. Ouais. Parce que là, on peut, mais ça, ça fait des spawners à cochon, quoi. C'est pas fou. Surtout que les bah, cochons n'ont euh, même pas dit. Ouais, mais bon. En, en vrai, oui, c'est vrai que pour qu une ferme, à... pour faire il y a une, une usine qui fait un plat, ouais, pourquoi pas, effectivement. Euh, Est-ce que ça marche en boulant comme ça Ouais, il y a un truc qui. Non, c'est bon. Ah! Yeah! Bon, ça va pas très vite, faut que j'en rajoute plus. Après, tu, tu mets des petites roues et des grosses roues pour accélérer le mouvement. Ouais, mais j'ai encore plein des, des machins là. T'as combien de stress là-haut? 512, vois. ouais, faut en rajouter. Oh, oui, j'ai je rajouté, hein. j'en ai encore 34, c'est bon. Euh, bon, là, je pense sur un petit salut bizarre là, un petit signe bizarre, je pense. Ouais! Euh... <laughs> Ça va, ouais. pas, ça va pas être bon, attends. C'est. Euh... Attends, voilà. on, va, on, va, on va négocier autrement, voilà. T'es le de deux côtés le... Ouais, oui, ouais. C'est un peu le problème avec les moulins comme ça, c'est que ça, ça part vite en, ouais, bah en, est en 1939, quoi, donc euh, c'est un peu chiant. C'est la forme adaptée, quoi. De la forme adaptée. Bah, ouais. En ah, fait, ils sont comme ça, les moulins. Allo. 8,48. C'est quoi une bonne valeur Je sais pas, c'est quoi Attends, mais les moulins hauts oh, ils font 300 et quelques, 200 et cake, non 258, euh, 56. Ah bah voilà. 248 c'est bon. Après, ouais, la, la barre qui tourne pas vite, c'est pas un problème. Bah Moi, ça, tu peux mets... l'accélérer. Oui, je mets les, les grands et les petits, c'est classique. Ok. Bon, on va commencer comme ça, c'est bien. C'est stylé ces trucs, c'est quoi C'est des poteaux c'est des tables de... de, de tables à café. Profitable. Ah, <laughs> ouais. Bon, ouais, je m'en sers comme euh, plateforme intermédiaire on va dire. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas la version euh, sans le pied. Donc, je peux pas relier les trucs euh, sans faire le, le vieux, ah, oui, vieux truc de qu'il y a là-haut là. là une sorte de... Avec la ficelle. Là. Faut que je les mette. Ah, j'ai gagné un punch. J'ai pas faim. Allez bon, On va pas y arriver. Faut que je fasse le jetpack aussi là. Allez. Parce que c'est vraiment... Euh, <laughs> c'est vraiment pas pratique sinon. Ah, du coup point, je suis obligé de mettre des ficelles comme bien. ça là. Mais surtout, que le jetpack en cuivre n'est pas si cher que ça. Ouais. Ouais, et il consomme que de l'eau. En gros, c'est 100 mètres de tous les jetpacks, et ça consomme que de l'eau. Ok. Du coup, moi, je ouais, faire ça hein, il, il est plutôt intéressant. faut que je le fasse. Ok, bon maintenant on va descendre tout ça. Euh, on, fera, on, on verra qu'on on habillera le shaft. Pour l'instant il passe comme ça. En vrai je peux peut-être le descendre un peu plus. Oh, je vois comment ça va se passe ici. Donc, faut que je fasse tourner ça. Genre il y aura un shaft par exemple là. Euh, par contre il y a des tapis roulants aussi. Ouais. Tapis roulant. Théoriquement ça devrait fonctionner si je passe. Est-ce qu'on peut faire tourner les deux en même temps qu'une gearbox Est-ce que ça marche ça hein, De faire tourner les deux tapis roulants comme ça avec une gearbox. Je sais pas si ça fonctionne. là il faudrait que je fasse des rouages. Euh... Attends, les cogwheels je vais les remettre en base. Je pense que si ça marche. En vrai je peux tester avec un... Avec la manuelle. Est-ce que ça marche Est-ce que je peux activer ça avec la main Non. Euh, du coup, on va faire comme ça. Alors, faudrait que je puisse voir aussi. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais, ça allait faire un... ça allait faire le mauvais sens, c'est dommage. Ah, ça aurait été cool, ça aurait été dans les, dans les bons sens, les deux. Mais non. Donc lui, il va falloir que je ailleurs. On va aller jusqu'à jusqu'à là. Ouais, jusqu'à là c'est bon. Vivid wave. Ah, ça fait du Botania. Euh, gearbox il faut de la verticale. Ok, ça c'est bon. Il va falloir que je reforme de landésite après. Et ce sac à dos qui s'est transformé en... en table de craft avec tout un bazar dedans. Et bah ben là, je vais lui mettre ça en fait. Et ensuite, ici. Je mets ça. Dans le mauvais sens bien sûr. Ah non qu'est-ce que tu fais là toi non, Je le bute. Euh... Non c'est bon. Non c'est dans le bon sens. Bon c'est juste extrêmement lent, il faut que je rajoute les, les rouages avant, mais c'est bon. C'est juste pour voir que ça fonctionne. Je pense que je vais peut-être le faire ici. Une petite, je vais faire ici un petit cabanon avec les rouages dedans pour accélérer. Bravo. Bon, c'est déjà un peu mieux. On peut toujours accélérer encore plus, mais en vrai, là il y a déjà pas mal de cobblestone. Hein. En plus, ça va popper partout là-bas. Je vais peut-être là-haut pour l'instant parce que sinon il va tout, dé il va tout dégueuler. Euh, par contre, il me faut que je mette aussi un truc là. Je l'ai pas pris ça. Là, pour l'instant, ils vont juste dropper au sol, c'est normal. Ok, faudrait que je mette une, une augmente. Enfin, euh, une, une upgrade aussi. Je sais pas si j'en ai en stock de ça. Hop là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs les upgrades, la première à faire, la. La 2, la c'est l'obsidienne. C'est juste chiant. C'est bon Ouais, c'est bon. Ok. Bon, après, faudrait que je décore un petit peu avec des structures en bois pour faire genre, c'est une mine qu'on a creusée. Bon, maintenant. Ici, il euh, faudrait que je fasse le bâtiment avant, je pense. Donc là, c'est le tapis roulant, il sera à ce niveau-là, ok. On va le faire rentrer comme ceci. À vrai dire, là, je mettrai une, même une pente. Ah oui, d'ailleurs, ça a fonctionné alors ça. Ah, maintenant, j'ai vu que j'ai bougé le, le tapis. Euh, mais je pense que ça devrait fonctionner hein, de mettre une, un tapis comme ça et là, de mettre directement une pente. J'ai envie qu'il monte comme ça en fait qui rentre dans le bâtiment euh, un peu en hauteur. Et le bâtiment lui-même, je le vois plutôt en bois pour le coup, avec une base en, en brique comme ça. Ça, ça. ça, ça, ça va paraître, je vais l'enlever. Euh, je vais le mettre un peu en hauteur avec euh, un plancher un peu plus haut. Moi, j'aime bien voir les trucs un peu euh, en hauteur. Mais je veux pas que ça s'arrive non plus au niveau du sol. Donc, on voit le plancher, il sera peut-être. un un bloc au dessus genre poser dessus quoi alors qu'est-ce qu'on a comme planche moi ouais, j'aimerais bien avoir un plancher mais pas forcément le plancher de base enfin pas les planches de base ou, ou, ou au moins faire un truc avec une alternance avec des différents euh, différents types de planches on va dire imaginons on aura un plancher avec essentiellement ça c'est comment ça ah ça il est, il a une branche une planche un peu plus grosse c'est pas mal ça fait genre un petit peu le, le plancher qui est un peu usé, un peu rafistolé, etc. Ça peut être cool. Ouais. Ok, il y a peut-être d'autres des planches après que c'est encore... Avec d'autres motifs en vrai. Euh, la brique... Alors j'ai mis de la brique de type tuff. Elle a un gris un peu, un peu différent de la stone brick, j'aime bien. Il faut que je trouve un truc pour mettre des poteaux ici. Pour ça, je crois que j'avais testé un truc. Ah c'est pas mal ça fait une vraiment euh... bah, ça fait vraiment poutre en bois quoi sympa après est-ce que je le fais ressortir Pour faire un peu de relief sur le, la façade il faudra avoir des, des demi-blocs mais bon on verra Après, ouais, je sais pas ça. Est-ce que c'est pas trop petit comme bâtiment Faut voir. Là-dedans, je vais juste. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans En vrai, là-dedans, je vais peut-être juste faire. Euh, donc, le truc, ça va venir là, ça va venir ici. Je vais mettre. Un... Bon, ce trouver pour faire buffer. Et après. Euh, L'idée, c'est de faire le même setup qui est là-bas, mais je pense que je vais peut-être passer par les grosses roues. Alors, ça, ça c'est comment ça Ah Ok <laughs> C'est pas simple. Ok ensuite est-ce que je me mets une poutre au milieu Est-ce que déjà c'est impaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est un paire. Euh, ouais j'ai ça. Est-ce que ça vaut le coup d'en mettre une ou est-ce que ça ne va pas surcharger Je pense que ça va surcharger ça surcharge un peu trop. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Ouais, ça va être trop surchargé. Là on va avoir un problème, ici là. Ça c'est pas prévu ça. Euh, il se donne quoi En fait ça fait une frise en, en soi. C'est pas... C'est pas forcément le but de on, on va faire juste plusieurs étages pour voir. Ah non c'est ouais, bof, la répétition est dégueulasse là. Non j'aime pas du tout. Bon, bah, je trouve autre chose, hein. ça c'est pas bon. Il va que je casse tout ça à la main. Il euh, y avait l'histoire de la double planche là que je voulais tester aussi. Elle est où Ah bah c'est la première. Mais je crois qu'elle manque de profondeur. Ouais. On peut essayer sur un mur complet. Attends, ça se casse à la. Ouais, c'est bon, ça se casse à la vache. On peut, on peut y aller. Là, moi moins, j'ai pas le problème du coin. Bon, après, il y aura les fenêtres qui vont casser un peu le, bati... le... le mur aussi. on hein, Pour pas que. Ça soit un truc plein. On creusera les fenêtres dedans. Ok, là, je pourrais mettre un petit truc pour faire une, une délimitation, je pense. Il y a un truc comme ça avec euh, le mode qui rejoue des fenêtres là. Spruce, on a normalement un truc... C'est ça? Non c'est pas ça. Ça ressemble à ça, c'est ça. Spruce parapet. Parapet? Ouais parapet. OK. Ça on peut les mettre un peu dans... contre un mur et ça rentre dedans et en fait ça fait... ça ressort un petit peu et ça. ça fait une bordure. C'est pas sympa ça. On va tester. Ça en fait combien 5 Alors on va pas comme ça. On monter dessus, oui on peut monter dessus. Ça avance pour faire des petits rebords de fenêtres. Euh, après il y a aussi la question du toit par contre que j'ai pas fait non plus. En vrai ça passe bien, hein. je pense. Avec des fenêtres en plus dedans, ça sera pas mal. Et des fenêtres, il y a celles de créer qui sont cool. Alors comment on va se passer Ah oui c'est vrai que j'ai mis des, des replayers à la place. Bonjour. Peut-être 3 de haut Je pense que c'est mieux 3 de euh... haut. Ça fait un peu église en vrai, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il faut juste mettre... attends, est-ce que ça marche si je fais ça Ah, ah non, ça fait ça. Ouais, après, ça peut le faire aussi. Hein. L'aspect arrondi, ouais. Je suis pas le plus convaincu. Bon, allez. Je vais poser ça. Même si de toute façon, il n'y a pas de chunk loader, euh, au moins, c'est fait. Elle est là, c'est bon. Voilà, comme ça, on est bon. J'ai pas de problème d'objet de... qui partira dans tous les sens. Ok. Après, ici, je mettrai un tapis. <laughs> et là, je mettrai euh, bah, les billes et tout ça. Euh, mais ça, je ferai plus tard. Et sur ce, on va s'arrêter là. Donc, le bâtiment, on le continuera plus tard. Euh, la prochaine fois, on va surtout se focus sur le minage, puisque j'ai besoin de ressources pour continuer. Euh, là actuellement j'ai pas grand chose, donc on ira explorer les cavernes, il y a des choses à, à looter en plus, des artefacts, etc. Ça donne des petits bonus et tout, donc c'est assez cool, donc on verra tout ça. Et ensuite on finira par mettre en place un Mechanical Crafter pour crafter notamment euh, les fameuses Crushing Wheels, ce qui permettra de multiplier les minerais mais également de faire d'autres crafts qui seront importants derrière, donc ça ça va être cool. Donc en attendant, je vous dis merci à vous d'avoir regardé l'épisode, n'oubliez pas qu'en description vous avez le lien vers le mode pack qui est public. Vous avez également le lien du Discord public de Modecube, du serveur euh, qui permet d'interagir avec la communauté et les créateurs de contenu. N'hésitez pas à aller voir ça aussi. Et enfin, n'oubliez pas que je live sur le botpack euh, assez souvent. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch qui elle aussi est en description. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous retrouve à une prochaine.